Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que si vous réalisez le glitch en online, vous risquez d'être banni à un long moment, donc je vous déconseille de le faire en ligne. Réalisez-le plutôt en partie personnalisée avec vos amis pour le fun. De toute façon, je pense que vous allez galérer pour réaliser ce glitch en multijoueur. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Hey, salut à tous, c'est Darka, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Obscur Clan pour vous présenter une toute nouvelle salle secrète en réalisant un glitch qui est vraiment très complexe, je vais pas vous le cacher. J'ai passé plus d'une heure pour réussir à le faire. Bon, à mon avis, avec mes explications, vous allez rapidement réussir à le faire. En tout cas, je vous le souhaite. Il est vraiment très sympathique à réaliser. Vous êtes invincible et invisible de l'intérieur. Et vous pouvez tuer vos ennemis qui passent devant cette salle secrète. Donc, j'espère que ce glitch vous plaira. On est parti directement pour l'explication. Tout d'abord, vous devrez lancer une partie en démolition et être muni des 3 score streaks que j'ai. Je ne connais pas leur nom, je sais juste qu'il y a le missile Storm. Je vous invite à regarder de plus près le gameplay pour savoir les score streaks que j'ai utilisé. Vous devrez vous rendre au même endroit que moi sur la map, reculer et vous coller contre la voiture, et ensuite déployer votre premier score streak, celui qui nécessite le moins de points possible. Je crois que c'est le dart en anglais, je m'excuse encore une fois. Une fois que vous aurez déployé ce score streak, vous aurez juste à mettre votre curseur sur le missile Storm, c'est à dire que vous devrez sélectionner le missile Storm sans lancer le premier score streak ni le missile Storm. Une fois que cela sera fait, vous devrez lancer avec R2 votre drone de chasse. Une fois que ce sera fait, au même moment, vous devrez spammer le bouton de droite pour déployer votre missile Storm. Une fois que cela sera fait, vous devrez vous suicider avec votre missile Storm. Une fois que ça sera fait, vous allez spawn, vous allez jeter une grenade Semtex sur vous afin de vous suicider et de respawn. Et là, il va y avoir de gros bugs, c'est-à-dire que vous allez réapparaître avec votre drone de chasse ou avec votre missile Storm. Une fois que cela sera fait et que vous êtes sous le contrôle de votre missile Storm, vous devrez aller au maximum à droite jusqu'à ce que votre missile Storm et votre drone de chasse explosent en même temps. Après ça, il y aura de très gros bugs de couleur et vous devrez déployer votre dernier score streak. Une fois qu'il sera déployé, vous devrez en même temps utiliser votre dernier drone de chasse. Et là, vous allez avoir encore une fois un gros bug. Et c'est là que ça va bugger, vous ne pourrez plus contrôler votre personnage. Il y aura des gros bugs de couleur et vous allez juste voir votre dernier score streak déployé. Et vous allez devoir le déplacer, donc je vous conseille d'être avec un ami qui vous dira d'aller à gauche ou à droite parce que c'est très difficile de diriger, étant donné que vous-même vous ne voyez pas où votre drone va, donc c'est assez complexe. Donc comptez sur votre ami pour vous mener dans cette salle. Une fois que ce sera fait, vous devrez faire R1 et mettre votre drone sur le plafond et attendre qu'il explose. Et une fois qu'il aura explosé, vous verrez que votre personnage est arrivé dans la salle secrète. Je vous conseille d'avoir tous les score streaks en double, c'est-à-dire avant de réaliser le glitch, tuez votre ami un maximum de fois et allez dans les paramètres en multipliant votre score, c'est-à-dire vous allez dans les paramètres de score et vous allez multiplier le score par 5, c'est-à-dire au lieu de gagner 100 points quand vous tuez un ennemi, vous allez gagner 500 points, ce qui vous permet de déployer vos score streaks plus facilement et plus rapidement. Donc voilà, j'espère que cette astuce et ce glitch vous aura fait plaisir. Désolé si mes explications n'ont pas été très claires, mais j'ai essayé de faire au mieux. Moi je vous dis peace les gens, c'était Darka, oublie pas le petit like et le petit commentaire. Ciao.